Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, un exercice qui utilise toutes les formules qu'on a déjà vues. Attention, il y a des choses fondamentales qu'il faut maîtriser ici. Sur la fin, vous avez des astuces de calcul qu'il faut avoir vues, donc je vous engage vraiment à aller au bout de cette vidéo pour voir ces petites astuces de calcul qui sont vraiment fondamentales parce qu'en seconde ou en troisième, vous risquez de faire des erreurs à cause de ça. Donc ça, il faut le savoir. Allons-y, on va faire ces petits exercices. Donc moins 2 exposant 0, donc vous voyez. Le nombre qui est mis à la puissance 0, le petit a ici, il va correspondre au moins 2. Donc je vous ai dit, n'importe quoi exposant 0, ça fait toujours 1. Je vois 1347 puissance 0, ça fait 1. Je vois 2 à la puissance 5, alors 2 à la puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 4 exposant 3, c'est 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16. Et 16 fois 4, ça fait 16 et 16, 32 et 32, 64. 5 puissance 1, ben c'est 5. 125 puissance 1, c'est 125. Et là, attention au piège, il commence à y avoir des difficultés avec les signes. Alors, réfléchissons. L'exposant porte sur quelle valeur? Sur moins 2, sur 2 ou sur moins 2? Faites bien attention. Quand vous avez ceci, moins 2 à la puissance 3, c'est en réalité moins à côté 2 exposant 3. L'exposant porte sur le 2. Quand vous avez moins 2 à la puissance 3, c'est-à-dire que vous avez une parenthèse avec le moins 2, eh bien l'exposant porte sur le moins 2. Donc cette quantité-là, ce n'est autre que moins 2 fois 2 fois 2. Et celle-ci, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Attention, ça c'est fondamental, il faut le savoir. Allons-y, faisons l'exercice. Donc ici c'est moins 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc le résultat c'est moins 8. Ici, attention, vous voyez qu'il y a une parenthèse. L'exposant porte sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc c'est moins 2 multiplié par moins 2, moins et moins plus, 2 fois 2, 4. Le L, moins 2 au carré. C'est donc moins, et là, 2 fois 2, 2 fois 2, 4 avec un moins devant. Donc je mets le moins 4. Et vous voyez donc qu'on n'a pas obtenu le même résultat si on a les parenthèses ou si on n'a pas les parenthèses. Donc ça, c'est un exercice que vous devrez absolument savoir faire. Faites très attention à ça. Parenthèse ou pas la parenthèse, vous regardez sur qui l'exposant porte. Est-ce qu'il se porte sur le 2 ou est-ce qu'il porte sur le moins 2? On continue ici. Moins 3 puissance 3. Donc on l'écrit ici, ça me donne moins. 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9, fois 3, 27, j'obtiens comme résultat moins 27. Moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Et oui, ici l'exposant porte sur le moins 3 et non pas sur le 3. Moins et moins plus, 3 fois 3, 9. Et vous avez votre résultat. Donc des exercices qu'il faut vraiment maîtriser, ils sont relativement simples, mais je vous conseille de reprendre l'exercice du début, vous reprenez la vidéo, vous essayez de les refaire sans regarder la solution, et puis vous regardez si vous avez trouvé les bons résultats. Il faut s'entraîner, il faut en faire pour être autonome là-dessus. Je vous remercie et à bientôt.